Eh bien les gars, je vous fais découvrir dans cette vidéo, une nouvelle intelligence artificielle génératrice des images et vidéos, et gratuitement de façon illimitée. La seule IA qui génère des animations d'images à plus de 10 secondes. Avec cette nouvelle IA, tu pourras aisément créer ta chaîne YouTube ou TikTok sans montrer ton visage. Ces animations vidéo sont très pratiques et automatiques pour les vidéos de thématiques de gymnastique. Très bon également pour les créateurs de contenus d'histoires animées. Pour les créateurs de contenus dans les thématiques des influenceurs et influenceuses, vous n'avez plus de soucis, cette IA est bien pour vous. C'est un générateur très pratique aussi pour les vidéos drôles sur des animaux. Pour des niches sur le sauvetage des animaux, c'est encore plus waouh. L'IA nous permet de générer en même temps des images et de les animer également. Il s'agit de Digen AI. Vous écrivez Digen.ai dans votre barre de recherche. Je vous mettrai également le lien en description. Pour votre première connexion, vous cliquez sur le logo identitaire ici pour créer un compte. Vous pouvez continuer directement avec votre compte Google. Pour notre cas, nous allons créer un nouveau compte avec un email. Nous allons utiliser un email temporaire. Vous écrivez temmail dans votre barre de recherche. Je choisis le premier lien qui apparaît. Vous patientez que l'adresse email s'actualise. Je copie l'adresse, que je viens coller à la place de mail sur Digen AI. J'envoie le code de confirmation. Je retourne dans la boîte de réception de temmail pour copier le code de confirmation de l'adresse. Je colle ici, puis je lance la création. Je mets mon mot de passe pour continuer. Chaque jour, vous avez plus de 300 crédits, vous donnant droit à plus de 20 générations d'images et de vidéos par jour, ce qui est déjà suffisant. Vous cliquez sur « Create » pour commencer vos générations. Ici, vous pouvez importer une image et l'animer. Vous pouvez aussi mettre votre prompt d'image ici pour générer directement d'images, grâce à la puissance de Digen AI. Vous avez quelques créations populaires des utilisateurs comme nous. Vous pouvez décider d'essayer une création en cliquant sur une des animations et copier son prompt. Vous collez le prompt ici et vous lancez la génération. En quelques secondes seulement, l'image est déjà prête. Pour l'animer, je colle le prompt à la place de Vidéo Prompt, puis je clique sur Générate vidéo. C'est juste waouh. Vous cliquez sur Download ou pour télécharger. Vous pouvez télécharger aussi comme ça, si vous le voulez. En comparaison, vous pouvez constater que la vidéo est bien travaillée et plus claire que l'image même. Je vais essayer de générer une image sur Leonardo et revenir l'animer sur Digen, et nous allons ensemble, découvrir comment ajouter des images et les animer. L'image télécharge. Voilà. Maintenant nous précisons en ajoutant le prompt avant de lancer la génération de la vidéo. Regardez comment c'est fascinant. J'apprécie très bien cette IA, surtout les mouvements de caméra automatique qu'elle ajoute aux vidéos. Pour mieux découvrir tous les outils, j'ai demandé à ChatGPT de me donner 5 prompts d'images pour des tests avec le nouveau générateur des vidéos IA, Digen AI, et que les prompts contiennent des personnes ou des animaux amusants. Je copie le premier prompt qui parle du chat super-héros en costume. Je colle à la place du prompt d'image et je lance la génération. C'est parfait. Alors je vais générer la vidéo. En attendant la fin de la vidéo de l'autre, je vais générer l'image du prompt qui suit. Voilà l'image de l'autre et voilà également la vidéo qu'on avait lancée. Je trouve ça hyper réaliste. Je lance la vidéo du chien. Je retourne copier le prompt suivant. Cette image est autre chose in. Un singe digi en boîte de nuit. Maintenant que tu as compris les générations simples, laisse-moi te dire que tu as également la possibilité de synchroniser une parole sur ton animation. Tu peux aussi ajouter une musique de fond directement ici. Pour la synchronisation de paroles, j'écris quelque chose comme « Je suis le meilleur singe digi au monde et je synchronise ».
vous avez aussi la possibilité de faire un enregistrement vocal. Et vous lancez votre génération. En attendant, je copie le dernier prompt d'essai. Waouh, un pingouin partinier bien stylé, entouré des observateurs. Regardez comment c'est super. Pour la voix ici, nous allons faire en sorte que le pingouin parle en disant qu'il est le meilleur pingouin partinier au monde. Regarde, comment le monde m'applaudit. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Vous lancez la synchronisation vocale. Je suis le meilleur pingouin partinier au monde. Regarde comment le monde applaudit. N'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne. Vous mettez toujours le prompt. Vous lancez. Vous avez vu le résultat? C'est juste waouh, n'est-ce pas? Je sais que cela te fera beaucoup du bien, en tant que créateur de contenu. N'oublie pas de t'abonner, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.